Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, j'étais en train de faire mon ménage. Alors, c'est ce que je fais pas mal toutes les fois que je me prépare à faire une vidéo parce que c'est tout le temps le bordel vu qu'on utilise beaucoup la pièce. En fait, on utilise, depuis qu'on a déménagé, toutes les pièces à un maximum. Donc, voilà. Et puis, la seule anomalie que je fais pas tous les jours, c'est de déballer une boîte. Donc, la tache noire que vous voyez derrière, c'est pas, je veux dire, une table de torture, là, c'est une table de massage. Alors, si vous, ben, vous le savez pas, là, mais je m'inscris bientôt dans un cours de massage pour apprendre à être massothérapeute parce que, bon, c'est dans la lignée depuis ma grand-mère et ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, je prends des cours de massage. Alors, voilà, et puis il faut se pratiquer à la maison, donc d'où l'intérêt d'avoir sa propre table chez soi. Et pour son métier, quand on veut devenir massothérapeute, ben, il faut en avoir une, anyways. Donc, on va commencer. Alors, j'ai un livre seulement aujourd'hui qui va être un livre de littérature jeunesse et que j'ai terminé de lire. Et les autres, ça va être, et ce jusqu'à Noël probablement, des livres d'école et plus particulièrement, des livres classiques, là, des lectures qu'il faut lire, puis des grands auteurs et tout ça, parce que ben c'est mon programme. Alors, pour ceux que ça intéresse pas, eh bien, j'en suis désolée. Pour ceux que ça intéresse pas et qui veulent regarder quand même, j'ai tenté de rendre le tout assez intéressant. Puis, c'est pas parce que c'est des lectures classiques que ça devient obligatoirement inintéressant. Moi, il y en a beaucoup qui m'allument, il y en a beaucoup qui me laissent indifférente. C'est ça la beauté de la chose, c'est de découvrir qu'est-ce qu'on aime et surtout quel auteur on aime, de quelle époque, de quel courant littéraire. Alors voilà. Alors j'ai commencé avec le premier. C'est le fameux Insurgé, le deuxième tome de Divergence de Veronica Roof. Alors ma première critique sur le premier tome était un peu mitigée. Il y a des choses que j'aimais beaucoup, mais certaines autres me laissaient un peu en plan ou pas sur ma faim, mais il y a des trucs que j'aimais vraiment moins dans son style ou dans comment elle développait ses personnages. Par exemple, la relation entre Tobias et Triss. Oui, j'ai eu un blanc de mémoire soudain, ça m'arrive. Et puis, ouais, ça, leur relation, je la trouve un peu développée de manière rapide et un peu énervante même. Des fois, je suis juste tannée de les voir. Même à Mané, ok, par exemple, leur marque d'affection. Ok, ça dépasse jamais une certaine limite. Sauf que là, rendu que ça fait, je sais pas moi, un an qu'ils se connaissent ou quoi, ben, ah oui, là, changer d'étape, là, je sais pas. Non, ça, c'est le deuxième tome, et le deuxième tome, il y a beaucoup de longueur. Alors, l'histoire, là, le fil de l'histoire, le but, qu'est-ce qu'on veut trouver à la fin, c'est intéressant. Mais le processus pour s'y rendre est vraiment trop long. Il y a vraiment des détails de trop, des scènes de trop, je trouve, qui font que ça s'éparpille un peu partout. Puis là, après ça, juste à la fin, ah oh, là, on trouve qu'est-ce qu'on voulait. Sauf que le lecteur avait pas mal semi-deviné déjà ce vers quoi on voulait aller. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de longueur et je suis en train de lire le troisième, que j'ai arrêté de lire depuis que j'ai commencé de l'école. Puis là-dedans aussi, il y avait beaucoup de longueur. La répétition de la pensée de Triss, qu'elle sait qu'elle a tué son amie, puis que là, elle ne peut plus tenir un fusil, là. Ça, c'est la pensée, la répétition de trop, ok? D'habitude, on fait des liens entre les tombes pour justement qu'on puisse bien faire la transition, qu'on puisse se souvenir de choses comme celle-ci. Mais ça, c'est tellement répété trop souvent, puis que ça traîne jusqu'au troisième livre avec aucun changement, aucune nuance, aucune atténuation, sauf qu'on dit qu'une des filles lui a pardonné. C'est pas assez, c'est vraiment trop redondant. Alors, ce ne fut pas un succès pour moi. Pour cette série-là, malheureusement pour moi, c'est un premier livre qui est bon et un deuxième et un troisième qui dégrade. La seule chose qui me donne envie de lire la suite,
c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est vraiment une pure envie de suivre l'aventure, là, comme un petit chien qui traîne derrière son maître. Mais sinon, question de comment c'est fait, ça m'a déçu un petit peu. Alors, voilà pour ça. Maintenant, on entre dans le corpus classique. J'ai trois livres que j'ai terminés et j'en ai un, deux, trois, quatre. Et j'en ai cinq que je suis en train de lire en même temps. voilà. Pas mal pour chaque cours ou deux fois pour un même cours, j'ai oublié un livre. Alors, finalement, j'en ai quatre que j'ai terminés. Le quatrième, je suis allée chercher à la bibliothèque. Alors, je vous les présente. Le premier que j'ai lu pour mon cours de littérature médiévale que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est La chanson de Roland. Alors, La chanson de Roland, c'est une chanson de geste écrite en vieux français. Et puis, on a la traduction. Ce qui est chouette, justement, avec cette édition-là, c'est que on a la traduction français moderne, mais à gauche, on a le vieux français. Alors, c'est vraiment cool parce que là, on peut lire, on peut s'amuser à lire le vieux français, puis le nouveau et tout ça. Et puis, à ce moment-là, quand je lisais, la limite de temps que j'avais pour le lire, là, ne me stressait pas. Fait que je prenais le temps, justement, de lire un peu le vieux français et le nouveau. Puis, c'est tellement bon comme chanson de geste. C'est une chanson vraiment sur la chevalerie, sur le lien entre les hommes liges et leurs vassaux en France dans le système féodal. Et puis, comment c'est décrit avec les répétitions, avec les actes de bravoure des personnages, avec Roland qui est un homme assez prétentieux, qui c'est vraiment un homme preux, mais dans toute sa prétention, dans sa non-sécurité, dans le fait qu'il veut pas appeler à l'aide pour prouver qu'il a une bonne armée et qu'il est un bon soldat et qu'il va donner sa vie pour protéger son roi, le roi Charlemagne, mais sans lui demander de l'aide, eh bien, Amané va être obligé de le faire. Hein, il va sonner le cor et c'est à partir de ce moment-là que là, il va se détériorer parce qu'il aura été blessé. Et puis, il est avec son meilleur ami Olivier, qui est son compagnon d'armes. Puis, on peut dire qu'ils vivent une vraie bromance, ces deux-là. Donc, quand Olivier meurt, là, c'est les deux qui se disent leur amour après ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé les descriptions où on voit chaque chevalier français tuer des Sarrasins qui sont les ennemis, qui sont des hommes d'Espagne. Alors, on essaye de conquérir l'Espagne et de convertir les laïcs en chrétien, justement. Et puis, tout ça est vraiment fascinant. Et ce qui est intéressant du point de vue de comment c'est écrit, de comment c'est très subjectif, ce livre-là, il n'y a aucune nuance, c'est que les Français, puisqu'ils sont baptisés, puisqu'ils sont chrétiens, ils ont le droit d'être autant violents qu'ils veulent pour tuer les Sarrasins parce que eux, ils sont dans le droit chemin. Eux sont avec Dieu. Alors, ils ont droit, toutes les mauvaises choses, la violence qu'ils vont donner aux Sarrasins est justifiée par le fait qu'ils sont chrétiens. Et les Sarrasins, par conséquent, eux sont le mal. Hein? Alors, il n'y a rien de bon chez eux, ils ne méritent rien, donc il faut les tuer jusqu'au dernier. Donc, selon un auteur, un bonhomme là, qui écrit là-dessus puis qui a fait une analyse, c'est pas de moi que ça vient ce mot-là, ce livre-là pourrait être considéré comme un génocide joyeux. Alors, c'est ça qu'il avait dit, donc je trouve que c'est exactement ça. Mais c'est vraiment intéressant à lire, là. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, si vous voulez lire, c'est vraiment pas long. Ça a l'air épais, mais justement, à cause de l'ancien français à gauche, on lit la moitié moins de ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vais vous donner le nombre de pages. Donc, ça finit ici. Ça finit-tu là? Oui, donc le livre finit ici. Donc, tout ça, c'est des notes. Et puis, il commence ici. Alors, ça, c'est vraiment notre livre, là. Puis, il y a 372 pages. Alors, divisé en deux, ben, ça vous fait pas tant de pages que ça. Alors, voilà. Moi, je les ai aux éditions GF Flammarion. Alors, ça, c'est l'édition préconisée par ma professeure. Et parce que, aussi, il y a la traduction en français moderne. Alors, voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai lu pour mon cours de lecture du roman. Un cours qui ressemble beaucoup à un cours que j'ai déjà eu au cégep. Alors voilà, c'est Madame Bovary de Flaubert que je voulais lire depuis que je suis rentrée au cégep, mais que j'ai jamais eu le temps de lire ou jamais eu ben comme l'idée de lire quand je m'en souvenais plus là. Donc Madame Bovary, c'est celle qu'on connaît comme étant la femme qui va lire beaucoup de romans à l'eau de rose et qui va tenter de vivre la même expérience dans sa vie, mais ça va foirer et elle va mourir par amour. Elle va mourir parce que les liaisons avec des amants qu'elle croit amoureux d'elle
vont la détruire parce que ces hommes-là qu'elle aimait sont très égoïstes. Alors, elle va avoir précisément deux amants. Je pensais qu'elle en aurait beaucoup, beaucoup plus, mais on en a juste deux. Et puis, mon Dieu, le déroulement de l'histoire est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que Madame Bovary allait vivre en ville, qu'on allait vraiment focusser sur sa relation amoureuse de manière torride et tout ça. Mais non, elle vit à la campagne, elle change d'une campagne à l'autre, elle a une vie assez calme, mis à part ses deux amants. Et puis, elle va avoir un enfant, elle a un mari, mari qu'elle déteste, mais moi, je comprends vraiment pas si l'auteur l'a conçu comme quelqu'un qu'on devrait détester, ou seulement que le personnage le déteste, mais que nous, comme lecteurs, on ne devrait pas le détester, parce que moi, je l'aime bien, son mari, il est super fin, il a plein d'attention, il comprend pas toutes les subtilités de la femme, mais à ce temps-là, comme c'est pas vraiment grave, puis moi, j'aurais été bien heureuse. Fait que Monsieur Bovary, là, je sais pas pourquoi on le hait autant, mais moi, je l'aime bien. Il est super fin, en tout cas. Fait que Madame Bovary, elle est pas heureuse parce que, justement, elle vit pas de grands amours torrides et Monsieur Bovary ne la comprend pas et n'aime pas le look fancy des gens à la ville. Donc, voilà. Et puis, moi, je trouve qu'il a pas mal bien tourné parce que il vient d'une famille assez pauvre et puis cette famille-là a tout sacrifié pour qu'il puisse faire des études et il est médecin maintenant. Alors, moi, je trouve que c'est fantastique. Bref. Passons de Monsieur Bovary à Madame Bovary. Alors, elle va vivre à la campagne et puis, moi qui pensais qu'elle allait se jeter dans les bras d'un nouvel homme, elle a beaucoup, beaucoup de réticence. Donc, dans les deux amants qu'elle va avoir, au début, elle veut vraiment rien savoir d'eux. Elle est super gênée. Elle veut pas sortir avec eux. Puis là, finalement, comme on dirait à contre-courant, elle va finir par se lier d'amour avec eux. Puis là, elle va se rendre compte, oh mon Dieu, j'ai un amant. C'est fantastique. Puis, elle va juste aller chez eux, puis revenir, puis elle va rien faire de trop extravagant. Donc, c'est vraiment plus calme que je pensais. On suit, oui, les pensées de Madame Bovary, son désespoir, beaucoup le fait qu'elle va acheter beaucoup, beaucoup de bijoux, de vêtements neufs, de rideaux neufs pour décorer sa maison aux nouvelles tendances. Et puis, elle va tellement débourser qu'elle va tomber en faillite. Et puis, c'est ce qui va en partie la tuer parce qu'elle cache cette dette énorme qu'elle a de son mari. Et puis, on va lui dire, on va venir dans sa maison et lui dire qu'elle doit tout donner parce que le total de sa maison peut même pas rembourser la dette au complet qu'elle a. Alors, c'est pas une lecture qui m'a allumée plus que ça. J'en ressors avec une certaine indifférence. Mais il y a un passage au milieu sur lequel l'auteur va travailler beaucoup, et ça, je le sais parce que c'était écrit dans les notes. C'est le passage où il va avoir une fête dans son deuxième village. Et puis, c'est une fête qui honore les agriculteurs et les fermiers et qui leur donne plein de compliments de la part de la ville. On leur dit qu'ils sont indispensables pour la société, que c'est des hommes du futur et qui aident à faire survivre la société. Et puis, c'est supposé être une fête vraiment ridicule. Et puis, autant de la part des personnages qui pensent ça que de l'auteur. Alors, ça, c'était un passage intéressant, descriptif, mais pas trop long. Ce qui est bien. Alors, voilà pour ça. Si vous avez vu un petit décalage entre ce que je disais, à un moment, ce que je disais et là, ce que je viens de dire, c'est parce que j'avais filmé une première fois le vidéo jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Et puis là, ma caméra a décidé qu'il restait plus assez de mémoire parce que je ne fais pas le ménage de la caméra assez souvent. Et puis là, elle a tout coupé le reste. En fait, elle n'a pas filmé le reste du tout, du tout. Alors là, je suis obligée de tout refilmer. Je suis vraiment désespérée parce que ben, je trouvais que ce que j'avais dit en premier, c'était bien. Puis là, je voulais plus rien avoir à faire avec le vidéo. Puis là, je dois recommencer. Donc, je vais essayer de pas comme bégayer en sachant que je suis en train de me répéter. Et puis, c'est ça, on va voir pour la suite. Alors, peut-être que ça va être meilleur, ben, vous ne le saurez juste pas. Et puis, ben, moi, je vais rester désespérée dans ma tête. Alors, le troisième livre, c'est un roman québécois. Alors, les deux romans qui vont suivre sont des romans québécois. Et je les ai dans les éditions Boréal Compact. Je viens juste de taper mon livre. Alors, c'est le fameux Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais. Alors, je vais vous dire pourquoi j'aime pas ce livre, mais c'est pas que j'aime pas ce livre-là, c'est que je vais vous dire pourquoi je suis tannée, ok? La culture québécoise,
Au début, les Québécois étaient très pauvres. Ils vivaient dans la peur sous le joug de l'Église. Et puis donc, on avait une culture et on était un peuple très, très pauvre, très apeuré, très... Mon Dieu, en tout cas, pas, tout ce qu'il y a de peu heureux. Et puis, dans les romans de la Terre, dans plusieurs livres qui ont été écrits, on ressasse sans cesse cette époque-là. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que là, aujourd'hui, on a évolué, hein? On a ajouté des éléments culturels à notre société, à notre ville. Et puis, aujourd'hui, on n'est plus les gens pauvres en haillons qui ne savaient pas lire comme avant. Et puis, avec ce roman-là, on y retourne encore. Puis, je suis tannée qu'on soit toujours lié à quelque chose de sombre, à la dépression des personnages, à ce qui va pas bien, au clergé qui est mauvais mais qui contrôle tout le monde. Comme il y a plus de choses que ça à exploiter, puis on retombe tout le temps là-dedans, puis c'est comme hein, on oublie à la plaque derrière nos voitures que c'est écrit je me souviens, ben on se souvient tout le temps puis on va pas plus loin que ça, on dirait, puis ça m'énerve de toujours lire des livres là-dessus parce qu'il y a autre chose, ça m'énerve vraiment beaucoup. Puis ce livre-là, c'est encore un roman de la Terre où là l'ironie va s'ajouter parce que le clergé, ben, certains prêtres vont violer les petits-enfants. Après ça, on voit la grand-mère, que c'est le chef de la famille, et puis qu'elle contrôle tout le monde, hein, parce que la grand-mère, l'aînée, est celui, est l'ancre et le pôle de tout le monde. Et puis on retourne là-dedans, on retourne dans l'opposition campagne-ville, où la campagne, c'est le bien, c'est la terre et tout ça, et que la ville, c'est le mal et le vice, parce qu'il y a de la boisson là-bas et il y a de la prostitution. Donc, je suis vraiment écœurée d'encore lire des trucs là-dessus. Fait que le livre en lui-même, il est très bon. Si vous avez jamais lu de livre québécois puis que vous voulez savoir c'est quoi cette époque sombre-là, ben je vous le conseille fortement. C'est super. Puis comme on dit, Marie-Claire Blais est un des plus grands écrivains de sa génération. Elle a gagné plusieurs prix. Donc, c'est très bon. Il y a de l'ironie, il y a du non-dit, ce qui rend la chose très travaillée parce que on va pas dire explicitement que les enfants sont violés, mais on le comprend très bien. Donc, c'est bien écrit. Fait que je vous le conseille fortement si vous n'avez pas lu de livre québécois, si vous voulez entrer, si vous voulez savoir un peu ce dont je parle, ben je vous le conseille. Mais moi, pour moi, non, ça va pas. Alors voilà. Le deuxième exemple de livres qui sont pas des romans de la Terre, mais qui racontent notre misère d'aujourd'hui, si je pourrais dire, parce qu'aujourd'hui encore, hein, c'est pas joli partout, mais on fait valoriser ça encore. Donc voilà. C'est Testament de Vicky Gendreau. Alors Vicky Gendreau, c'est une jeune fille de 23 ans qui, de 2009 à juin 2012, va être danseuse nue autour des poteaux pour vivre. Et puis en 2012, on lui annonce qu'elle a une tumeur au cerveau, donc qu'elle a le cancer, ce qui est horrible. Et puis donc elle, dans le savoir qu'elle a qu'elle va pas vivre longtemps, ben elle se précipite sur ses feuilles de papier, puis elle va écrire ce qui va être son testament à ses amis et sa mère. Alors voilà, c'est ça qu'on va lire. Et puis, je veux pas dire qu'elle représente le cas typique là, mais les étudiants aujourd'hui, le stéréotype là, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les étudiants sont pauvres, vivent dans des appartements pas toujours propres, boivent de la bière, boivent tout le temps, font la fête, puis disent des affaires philosophiques. Puis ils sont hippies, puis ils sont contre la hausse des frais de scolarité. Ça, c'est l'étudiant, ok? L'étudiant d'université, l'étudiant qui travaille en même temps qu'il va à l'école. Fait que là, c'est dur la vie, là. Avec des relations entre amis, puis entre chums, puis blondes bien compliquées. Ça, c'est l'étudiant. Puis, c'est peut-être pas la figure la plus majoritaire dans ma ville, mais ou partout ailleurs au Québec, mais c'est celle qui prend le plus de place, ok? Puis, elle me fait penser un peu à ça parce que elle n'est plus étudiante, elle a 23 ans, puis elle va pas à l'école. Mais justement, elle a des relations très complexes avec ses amis. Elle aime à la folie un gars qui l'aime pas du tout, qui l'aime plus en fait. Et puis elle a dit, il y a une phrase qui revient souvent, elle dit, moi je suis la femme, non, lui c'est l'homme de ma vie, mais je suis juste pas la femme de la sienne. Une très jolie phrase, je pense que c'est une des seules jolies phrases du texte. Et puis justement, bon, elle boit, et puis elle a besoin qu'on lui fasse l'amour beaucoup, elle est très liée à son corps, puis on ne lui donne pas autant qu'elle veut, donc il y a une certaine vulgarité là-dedans, il y a beaucoup de vulgarité. Moi j'appelle ça de la vulgarité, mais on peut dire le terme cru
dans le livre, il y a beaucoup de termes crus, juste comme ça, on le pitch dans la face, parce que ben, justement, cette fille-là est en train de mourir, fait que là, elle met toute sa pensée là-dedans, sans censure. Et puis, ben moi, c'est juste pas mon style. Je vais vous donner des exemples. Elle va, disons, petit chapitre qu'il y a sur une page, mais pas des chapitres, mais petits paragraphes, va être sous-titré, parce qu'elle, elle fait des documents sur Word, donc elle appelle certains passages ci ou ça. Donc, un exemple, il y a « fuck me harder ». Alors, Lumi, c'est pas M-E, c'est « meow » comme un chat qui miaule, parce qu'il y en a avec un chat. Après ça, il va en avoir « Stargirl Satan ». Ensuite, « Eyes Wide Plot ». Donc, si y en a certains qui ne savent pas c'est quoi « plot », qu'est-ce que ça veut dire? C'est les parties génitales de la femme. Ensuite, il va y avoir « Nipple Kidman ». Puis, plein d'autres comme ça. Il va y avoir aussi « Samantha Fox ». Donc, c'est juste... Moi, non, ça m'accroche pas, ça. Puis, comment c'est... Les mots qu'elle emploie, là, avec les sujets qu'elle a, c'est vraiment cru, c'est beaucoup lié à la sexualité. Je peux reconnaître et apprécier pourquoi c'est fort comme texte, mais moi, ça me va pas vraiment. Puis il va avoir justement des petits paragraphes, mais il va avoir aussi de la poésie, des petits poèmes qui ne riment pas, mais qui veulent dire quelque chose. Et puis ça, elle les lègue à ses amis, à sa mère. Et puis... c'est intéressant aussi pour la forme, donc, parce qu'il va y avoir et les paragraphes et les poèmes qu'elle lègue. Et puis, dans le texte aussi, on suit ses pensées, hein. Donc, des fois, ben, dans les pensées de tout le monde, ça passe d'une pensée à l'autre, puis on est vraiment dans sa tête. Alors, des fois, suivre les phrases qui sont assez courtes dans le roman, c'est un peu difficile. C'est vraiment le langage, c'est une arme dans ce livre-là. Voilà, c'est un bon livre, juste pas pour moi, mais... En tout cas, il m'a certainement, sûrement fait un effet, ça, c'est sûr. Alors, voilà.